Alors, depuis le 31 mars, tu n'avais pas le droit de venir, c'est ça? Ben oui, enfin, pendant quelques jours. Oui. Mais après, les Restos du Cœur ont tenu tête, quoi. Donc, oui. Pourquoi ne pas mélanger C'est la préfecture qui leur a interdit de revenir. Donc, le conseil était que les sans domicile fixe ne se mélangent pas à la nuit debout, quoi. Ah oui, d'accord. Nous, on est debout toute la nuit, comme tout le jour. Bah oui, et puis dans le froid, et puis oui. Et surtout qu'il y a de la nourriture gratuite ici aussi. Bah voilà, alors c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a aussi une cantine. Oui. Ah, je fais une annonce, quand même. Malgré les Restos du Cœur, bah, n'hésitez pas, la cantine, mais donnez une participation quand même. Un oui. petit centime vaut mieux que rien. Oui, c'est ça. Et donc toi, tu donnais un peu aussi tu... Je donne ce que je peux. Oui, bien sûr. Bon, quand on fait de la couture ou quand on fait de la manche, comme on dit. Hein. Donc là, on est au mois d'avril, oui, bientôt au mois de mai. Oui. Toi, tu es à la rue depuis combien de temps? Oh là là, c'est la deuxième fois dans ma vie que je suis à la rue. Oui. La première fois, je suis resté plus de 4 ans. Oui. Avec les enfants du canal, là, j'étais... D'accord. Parce qu'à l'origine, on était d'abord... Mais là, c'est la deuxième là, période. Depuis le mois de juillet dernier, oui. Depuis le mois de juillet dernier. Et, oui. Et donc, tu as un endroit où tu es habituellement ou tu bouges à chaque fois? Je bouge, je suis surtout dans le métro. D'accord. Le métro. Et tu essayes de dormir dans le métro, c'est ça? On essaye, avec le bruit, lever 5h15, oui. Les gens qui nous regardent, c'est un peu... Oui, c'est... L'indignité est souvent là, mais ce qui nous fait tenir, c'est l'espérance que l'on a de voir qu'il peut y avoir un progrès social, mais... Est-ce que et toi, tu as cet espoir-là? Comment tu as cet espoir-là? À 53 ans, comment voulez-vous qu'on n'ait pas d'espoir? Franchement. Oui, bien sûr. Alors, tu es venu nous voir pour nous lire un petit texte. Oui, oui, oui. Alors, c'était un tout petit texte de rien du tout, que un peu inspiré comme ça sur le fait. Oui. Quand même, nuit debout, c'est se tenir debout sur les deux pattes. Hein. Sur les deux pattes. Bon, bah, je t'en prie. Homme, t'es rien, mais n'oublie pas que tes deux pattes te font tenir debout. Ben oui. Et c'est pas besoin d'être un psychopathe pour ça, attention. Ou qu'on te considère comme un gourou. Ah, dans le Figaro oui. d'hier, oui. il semblerait qu'on ait tous des gourous. Il faut pas exagérer quand même. Alors, oui. pour qu'advienne oui. les jours de debout, hein, oui. pour dire. Ah, voilà. Pour qu'adviennent les jours debout, oui. hein, n'oublie pas que la petite guerre que tu mènes contre la misère, c'est... Va-t-on la gagner, cette guerre? Dit Tintin à Milou qui pleure. Ah bon. Parce que Milou l'a disparu, il faudrait peut-être le retrouver, je compte sur vous, d'accord? Bon. Et mais, l'essentiel, c'est de ne pas laisser. Tu peux me tenir mon cahier? Oui, je t'en prie. C'est de ne pas laisser, à nuit debout, le soleil pourra jaillir. Mais un soleil d'espérance. Un soleil qui demain pourra briller pour tout le monde. Donc, n'ayez aucune crainte. On a besoin de vous. Nous aussi, les sortes de domicile fixe, on a besoin d'un peu de solidarité. Pensez qu'à côté, il y a une commission qui s'appelle SDF. Oui. Et qu'il va y avoir peut-être ici, prochainement, là, peut-être à partir de ce soir même, des tentes qui vont être mises à la disposition des sortes de domicile fixe. Ça, c'est... Bonsoir Clément. Il y a une tête qui arrive là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes sortes de domicile fixe, ou même si vous ne l'êtes pas, à nous soutenir, nous aussi, parce qu'on tient debout 48 heures sur 48 heures. Nous. Voilà. Merci beaucoup. Ben de rien. Merci beaucoup Tintin. Et merci à nous debout parce que. Écoute, merci à eux, merci à toute cette voilà. et énergie. Puis, notre effort, il est avec vous. Hein. Je te remercie énormément. Voilà. Je te souhaite bon retour. C'est un peu bordélique, je me rends le micro. Non, tu as raison. Bonsoir, à bientôt. Ben, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que tu te balades avec tes affaires. Hein. Oui, c'est ce qui me reste de mes 50 ans de vie. Oui. Le reste est déjà presque stocké, mais. Voilà, merci beaucoup. Nous avons passé un petit moment avec Tintin qui se balade avec ses deux valises. Et c'est tout ce qu'il a. Voilà, c'est tout ce qu'il a dans sa vie. Imaginez avoir deux valises. Voilà, bon courage à tous. Bonne soirée et on se retrouve dans quelques instants.